Je travaille sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. C'est un problème qui gagne de plus en plus d'importance, qui pose un problème majeur, une menace pour la santé mondiale. Je travaille sur un système particulier de défense chez la bactérie qui est très complexe et qui lui permet de sentir qu'il y a un antibiotique qui s'approche d'elle et donc de déclencher une réponse qui lui permet de produire une matière qui la rend imperméable à cet antibiotique. Et donc, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'on peut éteindre ce système, un moyen de l'éteindre et de faire que la bactérie, même si l'antibiotique est là, le système n'est plus en marche et donc elle ne peut plus se défendre contre cet antibiotique. Donc ça ouvre la voie vers la découverte de nouveaux antibiotiques plus efficaces contre les bactéries. Je choisis de faire un doctorat parce que je voulais pouvoir débuter une carrière où je peux marier mes deux passions, l'enseignement et la recherche. Et donc, au cours de mes études, j'ai découvert qu'on peut pas seulement recevoir l'information passivement, mais aussi aller à sa quête, aller rechercher du nouveau savoir. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une thèse pour me permettre justement de rechercher et d'apporter du nouveau savoir. Ce qui me passionne au quotidien, en fait, c'est le fait de faire tous les jours des mini-découvertes. On a tous les jours des petites questions auxquelles on peut apporter des réponses. Et quand on voit à long terme qu'on peut après répondre à de grandes questions et résoudre des problèmes d'actualité, ça nous motive chaque jour pour aller au laboratoire et travailler avec ces bactéries super résistantes.